retour. Alors, comme vous avez dit, on ferait une petite vidéo ce week-end. Alors voilà, c'est chose faite. Donc là, nous sommes sur Saints Row 4, qui est un jeu sur PlayStation 3 assez récent. Et donc, on espère que vous aurez du plaisir à nous retrouver. De toute façon, j'imagine que les gameplays vont revenir assez rapidement, suivi aussi de Monster Hunter. Donc, pour vous expliquer plus précisément le jeu actuel, je laisse la parole à Nicolas. Salut Marc, merci et bienvenue. On est content de vous retrouver avec Swiss Geek. Hein. Ça faisait un petit peu les vacances, quoi. Alors maintenant, on est sur Saints Row 4. Alors, un jeu qui est un peu une, comme je dirais, une copie des GTA actuels, des jeux de rôle avec des mitraillettes, on défonce tout le monde et la gueule et machin. Là, c'est encore mieux. Le Saints Row 3 était justement vachement bien, je l'ai joué. Je connais, donc je vais me lancer tout de suite dans mon bonhomme. Vous me direz si mon bonhomme vous plaît, parce que là, tout le fait, ce que j'adore, c'est que dans GTA, tu ne peux pas construire tes personnages. Là, tu peux les créer. D'accord. Tu peux créer leur visage, décider de quelle manière ils jouent et tout. C'est assez sympathique. Et voilà, on est comme ça, justement, pendant tout le jeu. On se retrouve dans une ville. Bon, là, pour vous faire. Excusez-moi, je vais baisser un peu le son de la télévision. Donc pour vous dire, dans le 3, on était dans une ville, Saint-Tro, les Saints, comme ça se dit dans le jeu, ce sont un groupe de gangs assez chiant avec le gaillard, vous êtes le chef du gang dans le numéro 3. Et là, dans le 4, le gang est devenu tellement important qu'en fait, en tant que chef, vous êtes devenu président des États-Unis, carrément. D'accord. Et vous devez, à ce moment-là, justement, vous dépatouillez, puis au début du jeu, comme j'ai pu le remarquer, il y a des aliens qui débarquent, puis qui ils prennent la Terre en otage, ou je sais pas quoi, comme un peu dans Matrix. Certaines personnes se retrouvent dans Matrix, parce que là vous êtes comme dans une Matrix, vous êtes dans une ville imaginée par les aliens et tout, qui est un peu ressemblant, et vous devez tout refaire, justement, le coup des Saints. Mais l'histoire est différente. D'accord. Alors mon bonhomme, il a la classe, moi je trouve. Moi, personnellement, j'aimerais avoir un président comme ça. Trouve pas Marc. Il a la classe. Alors, comme dans GTA, bah, vous pouvez taper des gens dans la rue comme ça, puis leur voler leur fric, ce qui est très intéressant. Vous faire shooter par des bagnoles, vous faire tirer dessus par les flics. Mais là, justement, comme on est dans la Matrix, là, les pouvoirs sont un peu plus manipulés. Ouh, il y a une zone d'action, là. Je vais prendre mes doubles flingues et un peu mitrailler ces conneries d'aliens pourris. Ah, c'est des humains? Là, ça, c'est des aliens. Mais ils ont l'air d'humains. Ouais, mais de loin. Ah. Je vais essayer de m'approcher pour montrer un peu plus la gueule. Je me fais latter la gueule un peu. Ouais, bah je me Non, fais Matrix, presque Star Wars, là. tu vois, regarde, ils sont un peu. Là, vous pouvez les exécuter dès que vous les avez chopés, c'est assez sympathique. Alors, le jeu est assez sympathique. Le 3 était, je pense, un peu plus réaliste comparé à ce qu'il y a dans la vie active. Voilà, j'ai réussi à gagner. Ah, là, les aliens peuvent se transformer, d'accord. Si vous voulez, les aliens sont un peu la police, quoi, je veux dire. À la place que, comme dans Matrix, vous ayez des gaillards en veste cuir et puis des lunettes à soleil, c'est des aliens. D'accord. Alors vous avez un peu des pouvoirs dans ce machin parce que comme vous pouvez distorquer la réalité ou des choses comme ça, je peux courir très vite. Regardez. Ça, Oh putain, ça fait. il vous Oh là là, l'explique, c'est pas mal, ça fait. il vous l'explique, il vous l'explique. Ah putain, je vais pas arriver à le dire. On vous explique tout ça au début du jeu, normalement. Bon, là, je me fais courser après, donc j'ai commencé à On dirait me casser. un Il y a des super trucs pouvoir. aussi vachement sympas. Regarde, tu vas être incroyablement ravi. Regarde-moi ça. Oh oui, alors ça, c'est pas comme Matrix. Ça fait vraiment Matrix. Ils vous ont voulu franchement recopier Matrix, je crois. Un clin d'œil, quoi. Un petit clin d'œil à Matrix, exactement. Ce jeu commence un petit clin d'œil à Matrix. Le but, c'est qu'on peut récupérer ces genres de lumière, des clusters,
Et ces genres de lumière vous permettent justement d'avoir ces pouvoirs de Matrix, justement un peu. C'est ça, c'est avec ces machins que plus vous en additionnez, j'en ai 38, là, plus vous pouvez acheter des pouvoirs ou des choses comme ça. Et donc ça veut dire que c'est des orbes de pouvoir, un peu, voilà. Un peu comme les matériaux. Voilà. Vous avez les armes qui sont comme dans le 3, hein, il y en a quelques-unes et tout, avec des améliorations. Mais les améliorations assez intéressantes, c'est que là, à voir, ils ont fait plus réaliste les armes. C'est ça qui est bizarre, c'est que, bon, t'as toujours les munitions explosives, des trucs assez malades. Ouais. Mais dans le 3, je trouvais que les flingues, ils tiraient vachement vite, c'était assez sympa. Puis là, ça a l'air de tirer moins bien. On voit aussi la qualité, des fois, là, je viens de remarquer à un moment donné que c'est comme si la Matrix se rechargeait, il y a des petits rayons qui viennent. T'as l'impression que c'est ta télé qui bug, mais non, c'est en fait c'est le jeu qui fait exprès ça. C'est sympathique. Le but du jeu, foutre le bordel. Et puis réussir les missions. Là, je vole, t'as vu? C'est trop beau ça. On dirait un écureuil. Voilà. Le but du jeu, tarter la gueule à tout le monde, redevenir et puis détruire les aliens. Quoi. C'est un peu ça le truc du jeu. Ce qu'il y a d'assez nul, je trouve, c'est que sur des bouts. Oh salaud! Fuck you! Ça, c'était très sympathique. Ce qu'il y a de chiant, c'est qu'il n'y a plus les QTE de combat dans la rue. Dans le numéro 3, il y avait des QTE de combat. Tu pouvais prendre les gens d'une manière, puis tu leur cassais le cou, je sais pas quoi, puis tu avais un petit QTE à faire avec les trucs. C'était assez sympathique. Merde, j'ai... T'as shooté un manuel. Oui, c'est assez drôle, hein, quand même. Alors, certaines personnes diront qu'ils aiment plus le 3 parce que là, il y a trop de modifications et tout. Ce qui est marrant, c'est que avant vous aviez le téléphone portable qui faisait office de book et tout le machin. Alors, en cliquant sur Select, bah là, vous avez, c'est comme si vous atterrissiez dans votre tête, quoi, en fait. Vous pouvez faire la carte, là, il y a les pouvoirs, les quêtes que vous pouvez faire, ça, c'est les quêtes. Avec les quêtes principales, puis il y a des quêtes secondaires, qui est assez sympa, ça, il n'y avait pas dans le 3. Il n'y avait que des quêtes principales qu'on faisait. Bon, tu faisais plusieurs petites quêtes avant de continuer l'histoire, quand même, mais tu devais toutes les faire. Alors là, je pense que tu n'es pas obligé de faire toutes les quêtes de secondaire pour aller jusqu'à la fin de l'histoire, à mon avis, c'est ça. Il y a des défis qu'on peut réussir, il y en a une chier de défis, hein. Ça c'est à décider si vous voulez les faire ou pas, hein. Moi je vais bien sûr les faire. Le téléphone, qui est toujours, enfin l'appel, là ils n'ont pas de téléphone, mais avant vous aviez le téléphone, vous pouvez appeler les véhicules, vous pouvez appeler des renforts, ou appeler certains amis et tout qui viennent t'aider dans des cas de problème. Okay. La carte que je vais vous montrer, qui reste quand même assez grande, comparée à certaines cartes qu'il y avait dans GTA qui étaient vachement petites, là elle est vachement grande quand même. Hein. C'est la même ville, hein. C'est la même ville, Stanford s'appelle la ville, c'est la même ville que dans le 3. Que dans le 3 de ce jeu. Voilà, que dans le Central 3. Aussi l'argent qui se télécharge au fur et à mesure. Ce qu'il y a de sympa dans ce jeu, c'est que pendant que vous changez d'arme, comme vous n'avez pas de téléphone portable, vous pouvez utiliser la radio. Mais la radio, elle se met pendant tout le jeu. Ça, je trouve vachement sympa. Ouais. Parce que d'habitude, quand on écoutait la radio dans GTA ou dans l'autre Syndrome 3, on devait rentrer dans une bagnole puis on pouvait changer la radio. Mais là, vous la changez en direct comme ça. Puis là, vous avez la petite radio qui vous passe des petits sons. Vous pouvez choisir laquelle. Moi, je prends toujours celle-là. Puis en même temps de jouer, vous pouvez écouter la radio. Puis il y a des petites informations en anglais. Ceux qui savent bien parler anglais ou qui comprennent bien l'anglais, c'est assez sympa. Alors, il y a beaucoup de choses à parler de ce jeu. Hein. C'est très sympathique de voler. Moi, je vous le dis, c'est très sympathique de sauter de maison en maison. Je kiffe. Quoi. Ah, justement, le but, c'est de ratterrir au bon endroit aussi. Hein. C'est-à-dire, en fait, que t'as pas de jauge de vie ou bien oui? Si, alors, pour te montrer, pour te montrer la jauge de vie, il va falloir que je tape un peu sur les gens. Ou que je me fasse tirer dessus. Oh là, tu l'as cassé là. Et il faut que je me fasse tirer dessus pour qu'on voit ça. Là, je sais pas si vous avez vu là autour de la carte, t'as une mini carte à côté, il y a une barre rouge qui monte. Je pense que quand t'as toutes les barres rouges qui sont sur le côté, c'est que t'es au maximum de l'emmerde nationale. Là, tu vois, je me fais tirer dessus. Ma barre en bleu sur le côté avec mon point, tu vois. Ah, ok, oui. Ça, c'est ma jauge de vie. Puis ma jauge d'endurance, c'est celle qui est en dessous qui se vide là.
tu vois. Ah ouais. Alors ça peut te dire aussi, ce qui est intéressant, ça peut te dire quelle arme tu as en Ouais. main, si tu prends la mitraillette ou le... C'est quoi celui-là? Vous voulez dire qu'elle se remplit à mesure, en fait, C'est, ça se pendant que remplit tu à mesure récupères. normalement quand on récupère. Ah là j'ai le truc des aliens. Ah c'est assez sympathique. Il dit vachement beaucoup de choses, hein. Il faut faire attention, c'est un jeu qui est assez restreint, bon 18 ans hein, le jeu. Mais je pense que c'est normal parce qu'à force de dire des gros mots pendant tout le jeu, il se fait un peu des ennemis le gars quand même. Oh j'ai encore une opération là, est-ce que je les tarte avec la mitraillette? On va les prendre avec la Ça pourrait être mitraillette. pas mal. Regardez, hop. Truc 4 sympa dans ce jeu, c'est que tu peux récupérer de la vie sur les morts. Si tu vois bien, ils perdent des bouts bleus, tu sais. On dirait qu'ils sont en slip, putain. Ouais, ils sont aussi. Ouais, ils sont en slip. Faudrait vous habiller, les gars, quand même. Voilà, tu vois. Tac, tu peux récupérer de la vie à tout moment sur ces gens qui tombent. Sur les ennemis, surtout, je pense. En fait, c'est comme si à chaque fois tu sécurisais les zones dès que t'as battu les ennemis de la zone d'action. De quoi? C'est-à-dire, j'ai pas très bien compris parce que tu. Ouais, parce que ça veut dire qu'à chaque fois une espèce d'aura bleutée, comme une zone un peu futuriste qui apparaît dans la ville, dès que t'as réussi à tuer les ennemis de la zone d'action. Ouais, alors ça veut dire que le truc bleu, c'est quand j'ai réussi en fait. Quand c'est rouge, c'est que c'est les méchants. C'est pas très compliqué à savoir, Ouais. hein. C'est comme dans tous les vieux films de Ouais. l'époque, hein. Tout ce qui est bleu, c'est gentil, tout ce qui est méchant, c'est rouge. Hein. Ouais, Voilà. Attends, quitte à comprendre pourquoi les feux de signalisation sont verts, ils auraient pu les mettre bleus, tu vois. Bleu, rouge, tu vois, c'est tout ouais. pareil après, mais on sait pas pourquoi. Non, la couleur de. En fait, si jamais la couleur du. Si vous jouez au numéro 3, la couleur des. Normalement, dans le numéro 2, il y en avait un numéro 2, on pouvait choisir la couleur du gang. Maintenant, c'est plus faisable. C'est tout le temps le violet. D'accord. C'est une couleur assez générale, je pense. Il n'y a pas beaucoup de monde qui te dit je déteste le violet, quoi. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit je déteste profondément le violet, tout machin. Violet, c'est toujours une couleur qui passe assez bien pour tout. Il y en a qui n'aiment pas le noir, le bleu. Tu peux monter sur les bâtiments comme ça, c'est vachement sympa, je trouve. Et tu peux le truc si tu peux rester sur le bâtiment comme ça, c'est en glissant, trop beau. Bon, on va arriver en haut de ce bâtiment, voilà. Assez sympathique. Pour le coup, ça c'est le mode en pause. Mis à part, on peut tout faire, un peu comme dans GTA, voler des bagnoles. Bon, le truc c'est que tu meurs pas quand tu tombes comme ça. Assez sympathique aussi. J'avais un jeu qui se ressemblait un peu, je trouve qu'il ressemble aussi beaucoup à un jeu en fonction, c'est un peu un Matrix, mais aussi un jeu qui s'appelle le Prototype, je sais pas si tu connais, où il y a un mec qui a des pouvoirs d'un virus et puis il peut sauter comme ça et puis planer comme ça, voler, il fait aussi des choses comme ça, puis il a aussi des attaques assez violentes. Chose qui est sympathique, c'est que vous pouvez voler des bagnoles comme ça par exemple, comme d'habitude, comme on le fait dans tous les GTA. Oh, une femme, putain, tu l'as jarté. Et tu peux conduire ta bagnole comme ça. Tac tac, tu conduis comme un Cocksucker! taré un peu. Avec le frein à main, j'adore le frein à main, tu peux tourner sans se dire youhou, comme ça. Et Et hop. t'imagines une fille à qui tu voles la voiture, puis elle te dit Motherfucking Ce qu'il y a de marrant, j'aimerais dire aussi, ce qu'il y a de marrant dans ce jeu, c'est qu'il y a des améliorations. Et ça, il y avait déjà dans le 3, vous pouvez améliorer plusieurs choses, comme les capacités que vous avez, ou votre santé, vous pouvez vous augmenter votre santé, ou encore le combat, ou les véhicules. Ce qu'il y a de marrant, là, j'ai amélioré l'aptitude nitro des véhicules, et je vais te montrer à quoi ça sert, c'est vachement drôle, regarde-moi ça. Tu roules tranquillement, d'un coup tu te dis, oh, il faudrait que j'aille plus vite. Hop! Tu sors la nitro de ton véhicule, puis tu vois que tu as une flamme bleue. Bon, il faut savoir conduire aussi en même temps. Mais t'as pas eu le permis là. Pas besoin. Regarde, Boum. je dépasse même les meilleures voitures du monde, mon gars. Il est passé devant ça, trop beau. Bon, avec ça, voilà, il y a des gens déguisés assez bizarrement, des fois dans la rue. C'est assez sexe, des fois, ça. Regarde-moi ça. Mais ça c'est une... Oh putain. C'est une prostituée, c'est pas normal autrement. Voilà,
j'ai parqué la voiture et je me suis bien parqué pour une fois, t'as vu? Oh putain, je me suis bien parqué sans le savoir. Tu sais, elle me rappelle le masque du type dans le film d'hier. Exactement, c'est ouais, ça. Ouais. Ça a vraiment l'air de ça. Maintenant, pour vous montrer un peu le gameplay et tout, je vais faire la quête secondaire, puis après je ferai la quête principale. Fraude simulée. Ce tank est pour toi. Ah bah tiens, on va prendre ce tank est pour toi. Bon, c'est-à-dire que tu vas devoir conduire un tank. Le but aussi, il y a certains, c'est surtout les défis. C'est les défis qui sont... Il y a les mêmes défis que dans le numéro 3. C'est surtout les défis du numéro 3, du genre le KO tank ou bien le KO tout court ou encore fraude à l'assurance. Ça, il doit y avoir les mêmes défis à mon avis. Ça, c'est des défis qui... en fait, ils ont appelé ça des quêtes secondaires qui te permettent d'avoir du fric. Quoi. D'accord. C'est assez sympathique. Chose qui est assez sympa, vous pouvez améliorer vos véhicules, vous pouvez justement vous habiller comme vous voulez, vous mettre tout nu si vous voulez. Ça, on peut. Mais c'est un peu caché quand c'est tout nu, comme d'habitude. Ah bah, tout est caché un peu. Pour pas qu'on voie, quoi. Ah bah oui. C'est normal, là, comme on dit. Vous pouvez améliorer les véhicules, ça, c'est aussi sympa. Vous pouvez mettre des couleurs que vous voulez et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses possibles. D'accord. Donc là, je vais aller à ma mission. Boum. Tac. Bon, je conduis un peu bizarrement, mais j'ai toujours conduit comme ça dans tous les GTA. Hein. Parce que tu as joué à beaucoup de GTA. J'ai joué à plusieurs GTA. D'ailleurs, j'attends celui qui va sortir bientôt. Ah, pour la petite annonce, Synthro est sorti il n'y a pas très longtemps en Suisse. Ouais, justement, c'est ce que j'ai dit avant. J'ai été l'acheter il n'y a pas longtemps. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Ça fait même depuis hier que je l'ai, donc je viens à peine de connaître et tout. Alors là, tu vois, je suis dans un tank. Il faut que je détruise les choses. Oh putain. Oh d'accord. Ça a l'air d'être un tank assez futuriste, à voir. Oh oui. On dirait un lance-flamme, laser. Ouais. Ah tu c'est futuriste quand même comme tank. Le but étant de détruire le plus de choses. Ok. Là, je suis en mission. Tu vois, il y a de l'argent qui s'affiche. Plus je tue de gens, plus il y a de l'argent qui rentre. Plus je casse des choses, plus il y a de l'argent. Et le but étant d'aller jusqu'à 300 000. 300 000 donc d'argent. Voilà. C'est pour celle-là. Mais ça, c'est en mode. Ça doit être en mode facile, je pense. Ok. Et il y a des modes difficiles, bien entendu. Ouais. Donc c'est en fait que tant que tu es proche à cette somme-là, la quête ne s'arrête pas. Exactement. Ok. Là, je suis en mode bronze. Avoir une amélioration des quêtes, quand même, c'est que... C'est que... C'est que l'amélioration des quêtes à voir, c'est que je viens de comprendre, c'est un temps déterminé, et puis t'as des différentes façons. Par exemple, tu peux gagner le bronze ou l'argent. Ça dépend combien tu fais de coûts, combien tu gagnes de fric, ou bien combien tu détruis de choses, ou le temps que tu mets, ça te permet d'aller jusqu'à or, argent ou bronze. Des médailles. Des médailles. Et là, je suis au niveau argent, tu vois. Et puis, j'ai un certain nombre de modes. Tu vois, là, par exemple, je vais arriver à 1 million pour pouvoir être en mode or. Voilà, je suis en mode or. J'ai réussi à avoir 1 million de dégâts. Puis quand j'ai réussi à avoir 1 million de dégâts en mode or, j'ai terminé l'action et vu que je peux pas aller plus haut, d'accord. Ça sert à rien de continuer. Là, tu vois, or, argent, ça c'est bien fait le truc des comme ça. Et là, ça te donne toujours de l'argent. De l'argent et de l'expérience. 5 000, c'est pas grand chose pour. Ouais, je peux te dire qu'au début. Que t'as fait. Ouais, mais je peux te dire quand même que bah tu gagnes, j'ai gagné l'over tank, donc je peux avoir un tank maintenant. C'est assez sympathique. Et tu te retrouves... j'ai écrasé un mec avec le truc, c'est trop drôle. Regarde, voler le véhicule à quelqu'un. C'est si facile. Oh putain, les nounours avec... Regarde, ce qui est drôle, c'est que tu peux... j'ai réussi à... Tu peux prendre des otages comme la dernière fois, tu peux distraire l'otage. Moi, je distrais... Enfin, bien. C'était pas mal ce que j'ai fait quand même. Hop. Ça, c'est les fameuses motos à trois roues, tu sais. T'en vois des fois dans la rue.
Ah, c'est génial, j'ai jamais vu ça dans ce jeu. Des motos à trois roues. Alors, le jeu vachement futuriste, hein. Il y en a qui vont pas aimer, moi j'aime bien. J'aime bien le style un peu et tout. Ça change, ça fait vraiment, ça donne vraiment l'impression que t'es Superman. J'avais bien aimé d'ailleurs le prototype numéro 2. Et. Ouf, ça fait mal ça. Ce qu'il y a de chiant avec les motos, c'est que. T'es cassé la nuque, puis non, tu te relèves comme si de rien n'était. Tu éjectes facilement. Tu éjectes facilement avec les motos. Je vais prendre ce véhicule. Voilà. Là, j'ai au moins pas de risque que je gicle. Bon, j'ai aussi pas de risque. Dégagez, nom de Dieu. Il C'est allait ça que voler tu avec toi vas sur 10 mètres. avoir. Voilà. Là, je suis déjà. Voilà, je vais faire une fraude à l'assurance. C'est-à-dire, Fraude. ça va être sympa, regarde. Je peux me transformer en poupée de chiffon, puis plus de dégâts je prends. Tu vois, par exemple, là, je prends des dégâts. Ben, ça fait du fric. Par exemple, là, regarde, je vais prendre la voiture de plein fouet. 14 millions de fric, tête Dieu. 18 millions. Et le but, c'est d'arriver à 108 ans. T'as plus de vie là. Ouf! Là, la vie n'est pas comptée parce que justement, comme elle n'est pas comptée, vu que. Ouf! Ça fait mal ça. Elle n'est pas comptée vu que. Vu que justement, je suis dans ce mode de jeu, je dois me prendre plein la gueule justement. Regarde, truc qui peut sauter dans les bagnoles, ça. Truc que j'aimais bien. Wouhou! Oh putain, je me suis fait shooter, je crois. Le truc qui est drôle, c'est que tu peux courir vite. Je vais essayer un truc. Oh putain, c'est beau ça. T'as jamais fait ça dans ta vie. Ça va être plus facile, je pense, avec les pouvoirs pour réussir les trucs. Et ce qui, regarde, il te suffit de courir comme un dingue, comme ça. Tout. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand c'est le fraude de l'assurance, c'est tout le monde qui roule comme des tarabris sur la route. Ah, je crois que je me suis fait rouler dessus, vraiment. Je pourrais gagner un peu plus quand même. Bitch. Ouais, tu vois, il y a plein de. Toutes les 10 secondes, il y a des vilains mots comme ça. Moi, j'aime bien comment ils se relèvent. Le bon son est pas mal quand même. Avec la radio derrière, ça fait bien quand même, je trouve. Pas d'accord? Ouais. On va sauter. Hop. Ouh, je vole. Pou, pou, pou. Ça, c'est des pétés que tu te prends là. Là, ben, je fais pour, parce que je suis obligé de faire ça pour frauder à l'assurance, justement. Ouh. Oh. Pou. Pou. Oh, 20 000. Oh, 31 000, ça c'est beau. T'as vu? Regarde comment je tourne. Ouh. Le but étant toujours de. C'est plus dans la ville là. Ah, je suis tombé dans l'eau là. Enfin, une sorte d'eau. Ah, c'était pourri ça, excusez-moi. Et j'ai passé au niveau bronze là. Je pense que plus c'est marqué en mode difficile, à mon avis, plus tu n'as t'as pas de. T'as moins de temps. Ça doit être ça maintenant. Ouh. Je vais vite vous finir cette fraude à l'assurance, comme ça. On est volé. Oh. Je suis plus vite que la voiture en rampant. Oh. Ouh, ça c'était beau. Voilà. Le but étant de gagner de l'argent rapidement. Alors je sais pas ce que c'est encore ces boules, tu sais, parce qu'il y a des boules comme ça, tu peux pas rentrer. Je pense que c'est des. Le C'est en moulin rela... d'eau. Je pense c'est en relation avec l'histoire, à mon avis. On a une boule de Au golf, une balle de golf. niveau argent. Je crois que je vais gagner mon adrénaline au niveau argent seulement. T'as une pété de malade que tu te prends. Je crois que tu peux pas aller plus loin. Ouais, j'aurais gagné au niveau argent parce que j'ai plus de temps, tu vois. Voilà. Donc là, c'était pour les petites missions. Fraude à l'assurance. Il a l'air d'avoir mal quand même. Là, je gagne encore du fric.
Justement, tu vois, Marc, justement, tu me dis c'est pas beaucoup comme fric et tout. Je t'accorde que tu gagnes pas beaucoup pendant l'émission, mais le truc qu'il y a, c'est que regarde, c'est que quand je vais par exemple dans le truc, là, j'ai une amélioration. Là, mon argent, quand elle est remplie, je peux aller là-dedans. Puis là, regarde, j'ai un transfert d'argent. Bon, là, j'en gagne pas beaucoup, hein, mis à part 700 seulement. Mais je pense que plus tu pirates des magasins, tu fais des activités, plus tu avances dans l'histoire et tout machin, plus tu gagnes de l'argent par rapport à ça. Ça te permet D'accord, ouais. d'acheter des choses après, je pense. Enfin, d'acheter les améliorations d'armes, puis les améliorations. Tu vois, là, regarde, fusil à pompe automatique, combat Avant, je rapproché. rêve ou j'ai vu une épée? Non, c'est une sorte d'épée. Non, c'est pas. Ah non, non, c'est un truc qui tire. Non, non, c'est pas ça que je disais, mais vas-y, parcours voir Ah, ça. ça. Tu dis ça. Ouais. Je pense que c'est un truc. Le violateur. Équipe-toi du violator, planque tes armes. Ça a l'air sympa. Je vais faire la quête principale pour voir qu'est-ce que ça donne. Ah bah deux jours, justement, il nous parle de ces machins. À mon avis, il faut détruire ces structures pour pouvoir rentrer dedans. Ça, c'est les aliens. Oui, je t'avoue, ils ont une gueule assez moche. Alors là, justement, il faut que j'aille à ce machin. Et quand on est super fort, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. Wouhou! Par contre, moi il y a un truc que je trouve pas très bien fait, c'est par exemple quand tu planes et puis que tu arrives la tête dans l'immeuble, on dirait presque que ta tête est en caoutchouc parce que tu chopes aucun dégât. Ouais, mais c'est aussi, je pense, du fait que on est un peu super fort. C'est un peu normal aussi, je pense. C'est quoi le machin transformiste là? De quoi? Ce que j'ai vu avant, on va transformiste, c'était marqué. J'ai rien vu. Je suis désolé, j'ai pas vu l'encre. Ok. Alors j'ai pas vu, je pourrais pas te dire parce que comme je viens de l'acheter, je connais pas trop le jeu. Bon, moi en même temps, je prends les trucs. Bon, si vous faites chier à sauter comme ça, hein, vous pouvez toujours prendre une voiture puis rouler. Hein. C'est aussi la méthode la plus simple. Bon, chose qui est débile, c'est que je voulais aller sur le pont. Alors on va aller sur le pont. Oh merde. Ping pong. Imagine juste le gars s'il n'avait pas la force pour justement je sais pas ce que c'est assez bizarre comme ville quand même parce que ils ont un peu modifié. Je shoote les bagnoles en courant, oui c'est normal. Je crois qu'on fera no comment. No comment, no comment. Toujours un hôpital. Je pense que t'as pas vraiment besoin d'aller à l'hôpital, mais bon, c'est le truc quoi. Je pense que ouais, certains seront peut-être déçus parce que je crois qu'on peut pas acheter on peut pas acheter de bâtiments. Vu que dans le 3 on pouvait, c'était le seul moyen de contrôler la ville, c'était d'acheter certains bâtiments, puis certains magasins qui te rapportaient du fric justement. Ouais, et là c'est quoi ta première quête? Enfin ta quête principale. Là je sais pas, bah, je vais devoir, je pense, voilà, je crois qu'il faut que j'aille détruire ces Les ampoules et petites tout, tourelles là. voilà, pour pouvoir rentrer dans ce truc tout rouge, puis détruire les aliens qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, le but étant de tout détruire ce que les aliens ont construit. Parce que, comme disent les Cerns dans le jeu, fuck you! On vous emmerde, saloperie d'aliens. Ils sont là, c'est contre la menace alien. Ouais, ah là, t'en as une là. Voilà, tu vois, donc à mon avis, il faut que j'aille détruire ces tourelles. Bon, je vais détruire ce mec aussi. Ce qui est sympa, c'est que je peux me les farcir comme ça. Ouh, ça c'est beau ça. Oh, ah quand même. Une petite séance là. Oh yes. En courant, je pense qu'on peut faire ça. J'espère que t'en as d'autres. Oh, c'était beau ça. Je sais pas comment il a fait. Ouf. Ah bah voilà, bah, Wow, ça commence à devenir grâce à cette vidéo, j'ai bien. amélioré tous les trucs. Oh putain. Il t'a fini, Gérald. Il finit les trucs là, c'est bien. Excellent. J'espère qu'il y en a d'autres qui sont débloquables.
Il faut que je fais quoi? Ah, il faut que je désactive. Il faut que je fais quoi? Il faut que je fais quoi? Il faut que je désactive les trucs. Alors, il faut voilà. que je fais quoi? Voilà, j'en ai désactivé un. Il faut que j'aille désactiver l'autre. Tel machin, il plante sa main dans le... J'espère qu'elle aura encore des trucs à la télé comme ça. Ouais, mais je vais faire. Je vais faire pour maintenant que j'ai compris. Wouhou, je vole. Alors c'est où? C'est là qu'il faut désater un truc. Ouais, il ressemble un peu à un super-héros en faisant tout ça, hein, je te l'avoue. C'est des enchaînements à la Batman, ça. Ah, t'es tueux. Les prises de catch. Alors, bon, voilà, en fait, vous voulez un truc pour bien détruire les personnages, et ben... Tu fais un truc pour pouvoir faire différents finishes ou est-ce que c'est aléatoire? Non, c'est aléatoire, là, complètement. Parce que je fais que courir et puis cliquer sur le bouton, puis... Ça me fait. Alors tu vois, j'ai désactivé le truc et puis là il y a l'air d'avoir une tourelle géante. On va falloir aller la désactiver. Et puis larter la tête de ces enculés. Alors il gicle. Tu vois, là c'est le même fini. Je pense qu'il y en a plusieurs. C'était assez violent ça quand même. Est-ce que t'as le choix de faire des mecs ou des nanas ou c'est que des mecs que tu peux faire? De quoi? Non, c'est des. Tu peux faire nana aussi. Oh, t'imagines une nana qui fait ça? Oui, ça doit être vachement violent. Oh là, tu vois, là, j'ai réussi à contrôler le truc. C'est devenu tout bleu. Alors tout va bien. Ah. Un boss? Ah ouais, putain. Il y a certains boss. Tu m'as pas dit ça, putain. Oh putain. Oui, il y a des boss, mais il a l'air vachement chiant, celui-là. Que je me le ferme, hein. Oh putain. Je crois que je vais prendre la mitraillette. Oh, c'est le moment d'être sérieux, là. Il saute comme moi. Je sais pas où il est, là. Et voilà. Oh. Il a la même puissance que le tank. Je sais pas si t'as remarqué. C'est comme s'il tirait les boulettes du tank, quoi. Une dernière espèce de... Ouais, ça a l'air un peu Venom. Bizarre et tout. Le but, c'est quand même de bouger beaucoup pour pas te faire niquer la tête. Oh, tu l'es prise. Ah ouais, c'est pas grave. J'ai encore beaucoup de vie. Je me demande si c'est aussi un finish pour lui au corps à corps. À mon avis, oui. Oh, ça serait bien, ça. Ça m'étonnerait comme Kratos. Il y a tout dans ce jeu, il y a toujours eu des finishes plutôt sympathiques. Avec rien. You motherfucker. Hop. Pouf. Ah, il a traversé. Il est rentré dedans. Et puis, tu dois le détruire de l'intérieur. Ah, et j'ai une barre, tu vois. Ah, puis en fait, le but étant de le détruire de l'intérieur. Je sais pas pourquoi il y a des morceaux de PQ par terre. Alors c'est le méchant qui nous parle. Bon. C'est quoi ça? Ah, j'ai un pouvoir à voir. Griffe d'os. Il lui demande ce qu'il a gagné comme truc. Équipe-toi du coup de poing froid. Voilà, je vais m'équiper du coup de poing froid. Utilise le coup de poing froid. Puis tire sur les ennemis. C'est un flingue. Non, il faut d'abord que tu fasses un machin froid. Il tire. Oh, d'accord. Le but étant de geler les ennemis. D'accord. C'est assez pratique. Vous gelez vos ennemis. Ah ouais. Bon, il faut recharger son arme aussi. Un fusil à pompe, de toute façon. Ça, c'est des petits modes d'entraînement pour vous aider à comprendre tout ce qu'il faut. Et ça vient automatiquement. On peut geler des objets aussi. Oh, joli. Ouais, je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais ça a l'air assez sympathique. Tu peux geler les murs.